tranquille, on roule à son rythme, on essaye de pas trop se surpasser, ça sert à rien. Ça va, tu m'entends bien? C'est parfait. Bon, je coupe de temps en temps la radio, hein, ne t'inquiète pas si tu m'entends pas pendant quelques secondes. Allez, c'est parfait, on a une piste parfaite, personne pour nous gêner pour le moment. On prend quand même le temps de bien chauffer les pneus. Voilà, c'est très bien, tout en finesse. Essaye de bien utiliser toute la largeur de la piste. Voilà, la position est bonne. Fais attention à la pointe des pieds. Bien remonter sur les repose-pieds. Hein, les orteils. Pas trop laisser dépasser les orteils. Allez, c'est un très bon début, la position est bonne. Allez, fais attention à ta pointe de pied, hein, du repose-pied. Ton pied doit être bien à l'intérieur du repose-pied et les orteils bien placés sur les repose-pieds pour éviter que le pied frotte par terre. Hein. Allez, c'est très bien, on continue comme ça et progressivement, on augmente un peu le rythme. Regarde le point de corde, le suivant, et on accélère. Allez, c'est très bien. On regarde le point de corde. Accélère, on essaye d'utiliser un petit peu plus la largeur de la piste dans les virages. Allez Guillaume, attention les points de corde. C'est bien, les trajectoires sont bonnes. Ici, le point de corde, voilà.
le point de corde, on regarde loin devant. Ça folle pas, on va les doubler, on essaye de le faire en sécurité. Allez, c'est propre, c'est bien. Hein. Allez, c'est parfait, on a le champ libre, on s'applique. Tout en finesse. Hein. C'est bien. Attention ton point de corde. On va essayer de travailler un petit peu les freinages au bout de la ligne droite par exemple, bien freiner, c'est-à-dire rester accéléré un petit peu plus longtemps, freiner avant-arrière si tu y arrives en appuyant légèrement sur le frein arrière. Allez, c'est bien ça. C'est bien. Ici c'est pareil, hein, tu peux utiliser ton frein arrière, tous les virages à gauche en entrée, tu peux essayer d'utiliser un petit peu ton frein arrière. Ça va t'aider à faire rentrer la moto dans le virage. Mais sinon c'est bien avec ta moto là, avec ton roadster.
c'est bien. Prudent au dépassement. C'est bien Guillaume, c'est du bon pilotage. On continue comme ça, tout en finesse, hein, pas de brutalité. On essaye de s'appliquer sur les trajectoires. On regarde loin. Et n'oublie pas ton frein arrière. C'est bien. Allez, on essaye d'appuyer un peu son freinage au bout. Allez, doucement la prise de frein quand même. Hein. Un peu plus de fluidité, là c'était un peu brutal, hein, la prise de frein. Ah, c'est bien, il y a du rythme. Hein. Applique-toi maintenant sur tes trajectoires, bien prendre tes points de corde, bien aller à la sortie. Voilà, c'est bien ça. Continue à s'appliquer sur les trajectoires. Son frein arrière, ça aide à prendre la corde. Hein. Allez, un petit peu plus de finesse au freinage au bout. On freine de l'avant, de l'arrière.
c'est parfait ça. C'est du bon pilotage. Tout en finesse. Allez, on ralentit. Bravo Guillaume, c'est bien. C'est du bon pilotage. Des petites choses à améliorer, mais bien rester concentré sur les trajectoires pour ne pas rater les points de corde, les sorties de virage. Mais globalement, c'est bien. Hein. Puis appuyer un petit peu plus les freinages avant-arrière. Être un peu plus régulier dans l'utilisation de ton frein arrière. Surtout dans les entrées de virage à gauche. Hein. Mais c'est bien. Bonne position, bon comportement, c'est très bien. Ça roule. Ça roule bien. Ouais, ça roule. Quand vous voyez passer, c'est pas ridicule.